Hello tout le monde, c'est Nono. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral, la santé et la patate et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo après quelques jours effectivement où j'ai pas pu sortir de vidéo à cause du travail et de mes jours de repos où j'ai pas mal vadrouillé et j'ai pas mal fait de bidouillage sur le camping-car. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point et puis je vais vous montrer quelques séquences du boulot, quelques séquences un petit peu là où je serai à Orléans. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai bricolé derrière le camping-car avec l'attache remorque. Donc, ça me permet d'avoir les feux stop, les clignotants, les feux et les warnings. Une petite idée par-ci par-là en attendant de trouver la solution. Voir si c'est les platines, voir si c'est autre chose. C'est compliqué parce que les garages en ce moment, c'est un peu le bordel. Et ça peut prendre un jour, comme 2 jours, comme 1 semaine, comme 2 semaines. Et forcément, je n'ai pas le temps avec le boulot. Donc, voilà. Ça sera un petit thème sympathique. Bon, il y aura des petites complications avec le camping-car parce qu'on ne peut pas se garer là où je serai sur les spots. Ça va être une galère pas possible. Mais à la fin, je vais quand même trouver un spot en plein centre-ville d'Orléans. Ça va être un peu galère, ça va être le bordel un peu la nuit et tout ça. Mais quand même, on va pouvoir se poser et c'est le principal. Donc, je vous dis bonne vidéo, à tout de suite. N'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire, le petit abonnement qui fait plaisir pour l'évolution de la chaîne. Allez, à tout de suite. Ça chauffe, il fait chaud dans le camion, les amis. Ça chauffe de plus en plus, les amis. On a plus de 30 degrés. Ah là 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 là. On garde la patate et le moral, on taffe. Le camion affiche 54 degrés, les amis. À l'arrêt. Hein. Bon, je pense qu'il disjoncte un peu, mon égo, on doit pas être très loin. Hein. Bon, bah, les amis, j'ai reçu ça, moi. C'est tout un bazar à faire, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de longueur de fil, mais c'est vraiment vraiment intéressant parce que du coup ça fonctionne grâce à la tâche remorque au niveau de la connexion. Là, je l'ai connecté là et ça fonctionne comme si j'avais mis une remorque, quoi. C'est vachement intéressant, franchement ça marche, hein. Je vais vous faire une petite démo, vous allez voir. Tac. Faut le démarrer aussi. Tac, j'ai mis ça. Juste, je vais mettre les feux, tiens. J'ai mis les feux là. Allez, on va voir ce que ça donne derrière. Vous voyez, feu clignotant à droite. Et là, pareil. Et feu. Et les warnings, c'est pareil, ça fonctionne. Les warnings. Et du coup, le clignotant gauche qui marche au niveau de la platine, qui fonctionne, et qui à droite ne marche pas. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Donc là, du coup, j'ai percé des petits trous avec la visseuse. J'ai retiré ce cache plastique. D'ailleurs, je pense que je vais refaire un trou par-dessus. Et je remettrai, je pense, les nouveaux clignotants dessus. C'était juste un essai pour voir ce que ça donnait pour pouvoir rouler un peu quand toute sécurité. Donc petit riselant, des petites rondelles, des petites vis. Hein. Et il faut savoir que normalement ça, c'est aimanté. Hein, c'est aimanté. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble aussi. Alors en fait, du coup, ce sont des oreilles de Mickey, j'appelle ça. Ce sont des gros aimants. Moi j'ai retiré, je les ai retirés parce que c'est pas possible d'être aimanté à l'arrière, vu que c'est de l'aluminium ou du plastique. À part au niveau de la tâche remorque, mais il n'y a pas assez de place. Et franchement, on le colle, ça y va, quoi. Vous voyez? Sans problème. Oh la vache. Et donc, du coup, si vous êtes intéressé, c'est intéressant parce que ça peut se mettre derrière une remorque, derrière un van pour les chevaux. Dès que vous avez la possibilité, la connexion pour le mettre derrière, et ben, soit vous l'aimantez, ou soit vous retirez ça, et puis après vous le vissez quelque part. Voilà. C'est quand même pas mal, hein, franchement. Donc ça dépanne en attendant que je trouve le problème ou en attendant que je l'emmène au garage. Voilà. En toute sécurité, je peux rouler. Donc du coup, cette nue comme ça, par une petite vis que j'ai vissée à l'intérieur. Tac, il y a une vis en dessous, c'est cette nue-là. Et l'aimant vient se placer juste ici, en fait. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, ça peut dépanner. C'était pas cher du tout et franchement ça me dépanne parce que c'est impossible
de rouler. Si je la mène au garage pour ça, ça peut prendre une journée, comme une semaine, deux semaines. Et alors là, ça va être la catastrophe. Donc j'ai trouvé un petit relais. Et puis j'ai pu récupérer ça. Le clignotant fonctionne, les amis. Le top du top. Elle est jolie, la forêt par ici. Regardez-moi ça. Nous voici au lac de l'île de Charlemagne à Orléans, les amis. Tac, tac. On descend là, c'est assez raide. Ah, ça a vraiment de la gueule, hein. Et vous voyez, il y a une île là. Une petite île intéressante. Vraiment très beau. J'aurais eu un petit kayak, je serais parti, tac, direction là-haut. Il y a la base de loisirs, mais pas très accessible en camping-car. Et on peut pas vider ses eaux usées, les eaux grises et tout ça, quoi, c'est pas possible. Il n'y a pas marqué qu'il est hors service, ni sur l'application, ni sur quoi que ce soit d'autre. Donc si vous allez là-bas, faites attention, vous ne pouvez pas vider. Regardez-moi ça, comment c'est vraiment beau, les amis. Oh là là, c'est un pont. Donc on a le tramway qui passe par là. La Loire ici. Regardez-moi ça, c'est pas fini. La Loire ici aussi. Il y a quand même pas mal de monde. Il fait beau, il fait chaud. Jolie cathédrale d'Orléans qu'on peut apercevoir ici. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, bah moi je vais aller là, tiens. Allez hop, retourne à droite. Alors les amis, c'est un charme dingue. C'est magnifique, mais alors pas du tout accessible en voiture ou en camping-car. Il n'y a pas de place. Et regardez-moi ça. C'est beau ça. On est bien, mais impossible de stationner, les amis. Impossible. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de place. J'ai réussi à trouver une petite place, mais ça va bien pour pas longtemps, quoi. Stationnement vraiment ici, c'est compliqué. Bon, c'est la petite pause, il fait super chaud, les amis. Franchement, dans le camping-car, c'est grave dur, pas trop d'ombre. Spot à l'arrache en plein Orléans, au-dessus du périphérique, carrément. C'est y a un stade avec pas mal de du basket, du foot, des jeux, etc. Bon, c'est cool. Juste derrière moi, c'est des places handicapées, donc je me suis arrêté là. Voilà, petit campement effectué. La gamelle des toutous, tout ça, j'ouvre la porte là, tac tac. Et puis j'ai ouvert un peu le store aussi au-dessus parce que ça au moins, ça nous protège un peu, quoi. Orléans, c'est compliqué en camping-car. Ça y est, où ? La jungle. Fait lourd. Hein. Bon appétit, Jean. Bien, salut tout le monde, c'est le matin. Le petit café qui va bien pour bien démarrer la journée. Et miam. Oh, on balade avec le toutou, tranquille. Au-dessus du périphérique. Vous voyez, au-dessus du périph. Alors là, j'avais pas vu, les amis, mais il y a aussi une espèce de tramway ou un train qui passe.
Je sais pas trop ce que c'est. Juste en dessous, périph' aussi. En balade avec la petite Yayou. Ouais. Vite qu'on quitte ce spot. Parce qu'il est vraiment... vraiment un peu light. Bon, eh bien moi je viens de trouver une super petite boulangerie là. Vraiment très propre, nickel, avec une petite salade de fruits. Un bon petit Fanta bien frais là. Et puis voilà, voilou, c'est un peu le bordel. Là j'ai tout replié, on est reparti. Orléans c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est des grosses villes, hein. C'est comme Bourges. Je ne vais pas dire comme si c'était Paris, mais c'est quand même un petit Paris. C'est pas évident de se garer. Je suis carré quasiment dans un bureau de poste, quoi, pour vous dire vraiment. Voilà, c'est la seule place que j'ai pu trouver. Vraiment super bon. C'est un repas digne de ce nom. Pour mon anniversaire, les amis. Ah oui. Eh oui, oui. Je l'ai précisé dans la vidéo, dans le titre. Donc oui, effectivement, c'est mon anniversaire. Voilà. J'attends vos cadeaux. Je plaisante. Ça, il est bon, hein, sérieux. Hein. Ça change. Ça change, franchement, que de manger d'autres saloperies. Ça, ça est bon aussi. Petite cuillère en bois. Tonk chaussettes, les amis. J'aurais dû mettre un short. Il fait chaud. Regardez la grue au-dessus, là. Moi, je suis en train de regarder devant moi, mais... Aucune place pour se garer. Il faut que je bouge. Donc le petit vélo pas cher à 30 balles, même 25 balles, qui fait bien son taf. Hein. Voilà, je suis rentré au camping-car, j'ai rentré mon petit vélo, et puis ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous, et puis bah, on se retrouve, j'espère, le plus vite possible. Alors peut-être que j'essaierai de faire une vidéo mardi ou mercredi, je vais voir, pour essayer d'en faire une ou deux de temps en temps par semaine, quoi. Et comme ça, ça vous fera pas trop patienter, parce que je sais que d'habitude j'en sortais deux par semaine, et puis là avec le boulot, tout ça, les montages, etc., les toutous aussi, parce qu'il faut que je m'en occupe, ça me prend un peu plus de temps que prévu. Mais je continue les vidéos, je vous ai pas oublié. Donc on se retrouve très rapidement, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo, et n'oubliez pas de garder le moral et la santé. Ciao ciao, c'était Nono, bisous.